Bonjour à tous. Ce samedi 16 mai 2020, nous allons célébrer la journée internationale du vivre ensemble en paix. Il s'agit d'une initiative prise par l'Algérie et qui a abouti à une résolution sans vote le 8 décembre 2017. C'est la date du 16 mai qui a été retenue pour célébrer ce moment important. Vous le savez, la crise du coronavirus a mis en évidence des faiblesses incroyables dans tous les pays du monde. Pour la première fois, nous sommes tous logés à la même enseigne. Selon que vous soyez pays développé, industrialisé, en voie de développement, pays intermédiaire ou tout simplement pays émergent, nous sommes aujourd'hui contraints de privilégier la tolérance, le respect mutuel et le vivre ensemble. Comment développer des mécanismes de solidarité? Comment semer les germes de l'avenir? Comment garantir un futur pour nos enfants? C'est en plantant tout simplement un arbre qui poussera, un arbre dont vous pourrez donner le nom de la personne de votre choix, une manière de prendre date et de pouvoir, pour la postérité, laisser votre trace. Cette journée de vivre ensemble dans la paix est aussi une occasion pour nous de réfléchir sur la manière la plus efficace d'assurer ce bien-être collectif qui est le nôtre. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes périls, aux mêmes souffrances. Il n'y a plus aucune différence. C'est donc l'occasion pour nous de nous tenir main dans la main pour cheminer dans le respect mutuel des uns et des autres. N'oubliez pas donc ce samedi 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble pour la paix.